Pour nous essayer d'avoir là. À nous mettre debout, et encore avant d'entendre le message, parole de mon Dieu qui va apporter à nous-mêmes, papa, se dormir, et chanter avec moi, parole que nous joignons dans le cantique numéro
161 Français du recueil des Frères d'Espérance. 161 French. Frères d'Espérance. Communauté altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Également le souverain, celui qui est notre Dieu. Amen.
Et nous t'avons le matin pour nous voir la relation entre ces trois serviteurs et bon Dieu Yahweh. Et pour que chaque monde matin reconnaisse qui est bon Dieu est dans la vie. Et ce n'est pas sans raison que quand je devrais présenter des vœux d'anniversaire pour les fidèles, pour ceux qui fêtent en janvier, nous avons le passage ça que nous joignons dans Ésaïe 60, parce que fin passage l'a dit, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Your God will be your glory. Combien de monde qui peut t'aimer expérimenter la gloire? Qui monde qui peut t'aimer expérimenter ce qui est merveilleux, le triomphe? Et maintenant, laissez-moi dire, ton Dieu, mon frère, ton Dieu, ma soeur, sera ta gloire. Amen. Mais ça que besoin que nous focus, si nous gardons ces trois jeunes Hébreux, ils sont des champions pour Dieu. Parce qu'ils ont été déportés de leur pays natal pour aller vivre en terre étrangère, en diaspora. Même gens que nous-mêmes, l'Odia, c'est pas Haïti nouillé, nous dans l'autre pays. Mais ils ont qu'aimé avec bon Dieu, hein, n'est-ce pas? Alléluia, amen, ce amen. Sont des champions pour Dieu. Et c'est donc le titre du message de ce matin. Soyons tous des champions pour Dieu. Amen. En effet, il y a un bagage qui a besoin d'attirer l'attention parce que en nous descendant, en nous mettant pieds nous sur terre, parce que le plus souvent, mon apprenait après année 2015 là, ça pourrait passer en 2016. 2013 n'était pas meilleur que 2012. 2014 n'était pas meilleur que 2013. 2015, ça était grave net. Alors 2016, alors que des gens ont souhaité nous bonne année, bonne santé. Il y a un monde qui a dit, est-ce que vraiment on va jouir d'une bonne année? D'ailleurs, les statistiques que Diak Loulou t'a présenté nous dimanche dernier montrez-nous que bagaille vraiment grave. Mais Dieu nous a secouru, n'est-ce pas? Amen. Et qui statistique qui va le gagner? Combien de monde qui va le perdre du job? Combien de monde que c'est notre dernière année qui est rentré? Personne ne connaît. Et, bon, disons, tellement de difficultés, il y a des gens qui ont demandé déjà, bon, à quoi espérer? Le, nous connaissons que, côté n'a vivre, personne ne comprend nous. Parce que le côté n'a pas vivre, ou obligé de vivre là, tandis que personne ne comprend nous. Ou qu'on a des gens, si on regarde les gens, on a le old fashion. Parce que, ou là longtemps, pas comprendre rien dans ce qui a passé, c'est swipe, yep, swipe. Ou même, ou était, ou pas comprendre rien, ou a dit, on met bail là. Par contre, si nous comprenons que, dans le temps que nous vivons, nous avons regardé ça sur Facebook, longtemps, la famille était réunie autour de la table, pas vrai? Yes. Là, nous finissons, j'ai nous bâti audience. Et bien, quand il y a papa, les gens ont bail là, swipe. Maman, il parle. Petite la gueule par chaque petit monde qui a et l'un de regarder sur Facebook là, les chiens ou elle va gagner, l'obligé de chercher une touffe là. Les choses changent. Les choses changent. Parce que tout le monde, est-ce qu'elle dit, personne ne va intéresser à personne encore, ils ont la gueule, ils ont quitté les fautes dans mes noms. Alors, les enfants méprisent les anciens. La société va en pile problème. Et pas étonné que problème n'arrive juste dans le travail. Ou bien on emploi, problème marché vivre nous côtoie de travail là. Parce que patron mandé pour livrer à l'immoralité. Parfois, ils ont même mandé pour faire corruption, alors que dimanche, ou vient dans l'évangile, qui dit, attention, mon corrompu va monter dans le ciel. Lors, il est lundi, pas de corruption.
Est-ce que le bagay yo pral pi mal? Comment nous sentons face à des gouvernements qui ont imposé des lois qui sont incompatibles à la foi chrétienne? Vous connaissez chrétien, oui, mais ça entend que loi que y a pran yo, yo pas marché avec l'évangile. Comment on va le sentir? Et à partir de ce moment, une dernière question. Comment on va le sentir ou même qui depuis en Haïti ou à chercher ou venir ici ou à chercher ou pour rejoindre ou? Yo raconte l'histoire de yon monsieur qui tellement cherché. Et puis, monsieur arrivé dans un train. Et puis, où monsieur passe, monsieur dit, ah bon, ça c'est moi. Parce que monsieur était un rêve. Monsieur était un rêve, il a remis un nègre qui est bien protocolaire, il a marché pour nous garder. Et puis, mais monsieur, par exemple, qui arrivait dans l'ivoire, et puis monsieur, non train, et puis où nègre qui passait, il dit, ah, mais moi. Et puis, monsieur était comprendre ses livres, et puis nègre a passé la ligne. Donc, c'est pas vous-même. Ah bon? Donc, avant nos portes. Cela veut dire que la vie réserve en pile surprise. Et faut nous mettre en tête non que il y a des surprises qui sont venues en 2016. Est-ce que nous d'accord avec? Parce que nous tous avons fait face à des inconnus. Personne ne va connaître ça demain si Dieu veut à confronter. Ou qu'il y a une grande pression dans la vie. Ou qu'arrivez ou dans une situation qu'on pas t'arrimer. Mais serez-vous comme ces trois jeunes Hébreux, des champions pour Dieu? Bon, dis-nous, bon Dieu veut arriver à nos niveaux avec nous. Bon Dieu capable vraiment couronner nous de gloire et de magnificence. As I said, your God will be your glory. He can be your glory. Mais c'est pour marcher avec bon Dieu. Faut ou prendre des décisions pour mon Dieu. Et gardez trois jeunes Hébreux. Premier bagaille, première caractéristique que nous allons considérer ensemble avec nos matins, c'est que monsieur Sayo, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont des convictions dans la vie. Amen. Est-ce que nous entendons samedi? À qui samedi ils ont des convictions? Bon, m'expliquez-nous qui sa conviction est. Conviction, c'est la volonté inébranlable de tenir fermement en dépit de tout. Est-ce que nous comprenons ça, me dit là? C'est la volonté qui ça, une volonté ferme. Volonté inébranlable, ça veut dire que ou pas chanceler et on voulait tomber fermement quel que soit sa carrière. Est-ce que nous l'avons? Quand il y a une impression, nous avons 40 gens, commencé à avoir un problème parce que les gens disent qu'ils sont fermes ou d'accord, ils sont fermes. Mais les gens disent, en dépit de tout, dans n'importe ce qui arrive, vous commencez à réfléchir. Je vais retourner avec nous dans le monde séculier pour montrer nos deux mains qui sont fermes. Nous sommes Mandela? Monsieur, bon, conviction. Et conviction, le fait 25 ans en prison. Et le sorti avec même conviction. Vous d'accord avec? Donc, si dans le monde séculier, Mandela a qu'un ferme, pour qui ça, un chrétien, pas qu'un ferme? Nous songez, Martin Luther? Nous songez ça? Il qu'un ferme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant, nous lisons ce passage-là. Même pas tant même que nous simplement disons, oh, un bel passage. Mais ou même est-ce qu'on a rien de faire? Regardez, en nous lisant même Daniel chapitre 3, verset 12. Nous allons essayer très très rapidement de considérer monsieur Saïd. Daniel chapitre 3, le verset 12. Il y a des juifs, parce que monsieur a parlé avec Nebuchadnezzar, il y a des juifs, en parlant des trois jeunes Hébreux, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone.
Et yon cité non monsieur, yon Chadra, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ma kon si nou wè, ki tri portail. Yal portail, les dos monsieur. Parce que l'on dit, le wal kod wa, ou di wa, que monsieur yon pas tenu compte de ou même. Parce que yon compte se wa, yon n'a pas même. Donc à comprendre dans qui c'est que monsieur est tombé. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Bon, moi, dis non bagaille. Ou imaginez que vous t'amenez face à président des États-Unis et vous dites que ou pas tenir compte de sa présidentie. Nous avons vu combien de monde ici a tremblé. Mais est-ce que nous songez dames ça dans Texas? Est-ce que nous songez? Il can be fair en dépit de tout. Qui chrétien qui a conviction? Et maintenant, on demande combien de chrétiens dans Siloé qui chrétiens de conviction? En dépit des menaces, et pas les portes menaces, menaces imminentes. Là, on dit menaces imminentes, ça veut dire. Menace là, gardez ce qu'on y a mettre à exécution. Gardez Daniel 3, qu'on y a en allant verset 14 et 15. Nebuchadnezzar dit, si vous ne l'adorez pas, est-ce que nous là? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté qui qu'il est. Demain si demain? Après demain? Vous serez jeté qui est? À l'instant même, au milieu d'une fournaise ardente. Et, bon, dis-nous, les hommes dépassent les limites, oui. Et ils posent une question. Je vais le qui bon Dieu qui a délivré moi. Et deux fois, s'ouvre les champions pour bon Dieu, il faut camper ferme et quel que soit ça, mon nom, dit ou même camper ferme. Ou même camper ferme. On a le nom Daniel 6. On en virait dans Daniel 6. Pour nous voir que le pral poté à l'essou, yo a arrangé une façon pour faire un petit job là. Parce que quand on va travailler là, on est co, regardez, nous qui travaillons ensemble avec eux, qui a fait arrangement pour mettre dans le job là. Regardez bien. Daniel 6, verset 1. Et si vous avez mouru même, vous êtes bien content, vous tout grand job là. Daniel 6, verset 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel même. Parce que là, on n'est pas dans quel mentir, mais on veut qu'on est qui est, même qui a fait un problème. Daniel, c'est pas l'autre monde, Daniel. L'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière. Trois fois le jour. Bon, moi, ouvre une parenthèse. M'a fait ouvrir une fermée. J'ai un jeune gens. Je connais un petit garçon. Le monsieur fait venir ici, à l'école. Et puis pendant l'école là, et puis il baisse tête, il a prié. Je connais qu'il est un sourd muet. Il n'entend pas. Ok? Et puis pendant la prière, bon, là, qui. C'est quoi il m'a dit qui soit. Je dis, ma prière, mon Dieu. Avec l'autre, n'a pas un coup de poing dans l'estomac. Mais ça n'a pas fait que il paraît être chrétien. Il était devenu un des prédicateurs, même s'il est un sourd-muet. Il prêche en signe. Ou besoin de conviction dans qui nous prêt. Alors, ouais, il fait sa prière, Daniel fait sa prière trois fois par jour. Et question que nous t'a posée, Daniel, quand on nous encourage ça? Et qu'on y a pour demander nous, chrétiens, est-ce que nous-mêmes nous avons conviction? Être serviteur de Dieu, être chrétien, monde qui voulait marcher vers le ciel, bon, dis-nous que ça exigeait qu'on ait conviction. Amen. Parce que si vous n'avez pas conviction, vous allez tomber dans la route. Vous allez tomber dans la route. Et c'est une conviction, on t'a dit ferme, ancrée dans les promesses de Dieu. On connaît qui est mon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Quelque soit si on pense comme ça, on compte qui mon Dieu est.
un chrétien de conviction. Conviction inébranlable. Parce que je compte puissance de Dieu. Et bon, je me dis, bon Dieu, je ne fais pas tout le monde. T'as pas chavel honte. Non. Et nous connaissons pas parce que la lecture était claire. Parce que finalité, c'est que bon Dieu a exercé puissance. Mais on besoin de conviction. Parce que le monde qui est en conviction, bon Dieu va prendre un bout. On a échoué dans la vie. Mais le monde qui a une conviction, bon Dieu a toujours honoré. Une conviction absolue. Une conviction sans pareil. Et bamba non, nous connaissons que nous habituons avec Paul. Paul est un homme de conviction. Nous comprenons ça? L'apôtre Paul est un homme de conviction. C'est une équipe qui prend coup de fouet pour l'évangile. Bon, d'ailleurs, beaucoup de gens prennent coup de fouet nous-mêmes. L'apôtre Paul, pour qu'il ait exprimé, il n'y a qui est capable de séparer avec bon Dieu. Il peut l'écrire en Romains 8, le verset 35. Romains 8, verset 35. Il prend le bail. Il prend le dit même. Pour tout le monde, qui nous séparera de l'amour de Christ? Which one? Qui est capable de split nous comme s'il fallait faire des bouts, des bosseaux? Non! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et puis, monsieur Pralbaï, sept batailles qui n'ont pas séparer avec l'amour de Dieu. Nous pas compter. Monsieur dit, sera-ce la tribulation? 1. L'angoisse. 2. La persécution. 3. La faim. 4. La nudité. 5. Le péril. 6. Ou l'épée. 7. On dit le bagage. Mais je vais connaître, est-ce que nous sommes chrétiens avec conviction? Parce que bon, disons, pas dans quel monde qui consacre pas le passé en 2016. Tribulation qui a venu. Angoisse qui a venu. Et il y a des angoisses qui sont venues, des fois c'est pour la caille d'angoisse là, ici t'as même. Persécution qui vient. Alors, même dit, ouais, ils ont toujours dit, à bon entendeur, parce que ils ont dit que, l'eau qu'on est, vous préparez. Parce que si vous ne préparez pas, vous ne préparez pas, mais vous avez besoin d'une conviction depuis qu'on y a. Sera-ce la persécution, la faim. Quand vous comptez faire mon guide de Christus, pas faire commentaire. Grand goût est là. Quand faire mon abandonné, qui est là? La nudité, ou le péril, ou l'épée, zam. Mais l'apôtre Paul va le dire en verset 38 et 39, car j'ai l'assurance. Bon, dis-nous, bataille, combien de chrétiens qui ont répété ça ce matin hein? Car j'ai l'assurance que M. Paul dit à partir de ce moment, 10 batailles. Et le Paul Paul, premièrement, pas deux. Il va le dire ni la mort ni la vie. M. Paul dit ni les anges ni les dominations. M. Paul dit ni les choses présentes ni les choses à venir. Je vous le dis, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Homme de conviction. Homme de conviction. Alors, nous souhaitons que si l'on y est, chaque monde, un grand envie, nous avons souhaité que chacun de nous, capable d'un chrétien de conviction. Parce que si vous voulez un champion pour Christ, si vous voulez que bon Dieu couronne de gloire, vous avez besoin, premièrement, un homme de conviction. Car ton Dieu sera ta gloire. Vous avez besoin de choisir un modèle de serviteur, un modèle qui est pour copier dans la vie. Pour copier parce que des serviteurs de Dieu qui doivent, qui correct, qui doivent ferme. Vous avez besoin de camper ferme. Mais deuxième caractéristique que moi, la caille, monsieur, je vais aller en petit j'en vite. C'est la confiance. Nous, quand ça fait, nous avons des problèmes. Nous sommes trop grands. Nous avons 30, 40 ans. Nous avons des problèmes. Parce que depuis où nous avons 40 ans, nous prenons la vie en main, pas vrai? Nous, j'en ai un petit monde qui a 3, 4, 5 ans.